tout est super génial. Tout est cool quand tu joues dans la même équipe. Tout est super génial. C'est un rêve magique. Coucou Océane. Coucou. Comment ça va? Ça va très bien. Et les petits copains? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo et Océane va faire une recette toute seule. Alors elle va nous faire aujourd'hui une pomme de terre, un peu comme la raclette, mais au four. Oui. On va regarder ce qu'il nous faut pour cette recette, ma chérie. Il nous faudra 4 patates. Oui. 8 tranches de fromage. Du fromage à quoi? Raclette? Oui. Oui. Ensuite, il nous faut... Du lard. Du lard, donc 8 tranches. Il te faut quoi encore comme ustensile? Mais il nous faudra un saladier. Un saladier qui va au micro-ondes, les amis. C'est très important. Une planche de coupe. Une planche à découper, oui. Et un couteau aussi. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a sur le saladier? Un film étirable. Voilà, donc on va commencer la recette tout de suite. Oui. Alors, on va mettre les patates à l'intérieur sans couper, sans enlever la peau. Et elles sont sales ou elles sont propres tes patates? Elles sont propres. Elles sont propres? Alors bah, vas-y, hein, montre-nous. On les met dans le saladier? Et maman, tu fais quoi? Tu vas les recouvrir avec du... film alimentaire. Donc vas-y. Enfin, je crois que je vais t'aider un petit peu là, parce que ça va être compliqué. Alors, me voici, me voilà. Coucou, je suis là. Alors je vais aider Océane parce que c'est compliqué, un peu ça coule partout. Et c'est trop dur. Donc là on va bien recouvrir les pommes de terre parce qu'on va aller les faire cuire où? Au four. Au micro-ondes. Alors, ça veut dire que c'est un four. Oui, c'est un four, mais un four à micro-ondes. Donc on va les mettre 5 minutes à pleine puissance. Oh, le bout, là. Ah oui, on va recouvrir. Alors faites attention qu'il n'y ait pas d'air du tout. Ah oui. Et on va les faire cuire pendant 5 minutes au micro-ondes à pleine puissance. Allez, tu vas mettre ça au micro-ondes? Oui. Alors ça y est, c'est cuit les patates? Oui. Alors maintenant, faites très attention, il va falloir enlever le film, donc c'est maman qui va le faire. Ah parce oui. Que ça peut être très chaud. Il y a de la vapeur à l'intérieur, donc là, on enlève le film. Hop. Et surtout, les enfants, faites pas ça tout seul. Et ni coupez tout seul, hein. Ah oui. Et ni vous cramez, il faut pas vous cramer. Maintenant que les pommes de terre sont prêtes, qu'est-ce qu'on va faire? On prend une, on va couper le bout. On va couper un bout, et après on va faire quoi à l'intérieur? Eh bien, on va enrouler. Ah, on va d'abord la creuser et ensuite on verra ce qu'on fait. Oui, ah, vas-y. On enroule. Est-ce qu'elles sont chaudes ces pommes de terre? Non, pas trop. Alors, regarde, maman, elle va t'aider un peu parce que c'est un peu compliqué. Alors, vous avez pu voir aussi qu'on a coupé le fromage à raclette en petites bandes. Donc, vous verrez après à quoi ça sert. Un petit rectangle. Voilà. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ça. Le couteau est parti où le couteau? Il est parti où le couteau? Il est parti où? Tu l'as pris où? Tu l'as mis dans ta poche? Non. Il est pas dans ta poche? Et puis il nous manque le couteau, j'ai cherché le couteau les amis. Il est où le couteau? J'ai retrouvé le couteau. Il était caché. Alors ce qu'on va faire, je vais t'aider ma chérie, c'est un peu compliqué. On prend la pomme de terre. C'est chaud. La pomme dessus. C'est chaud. Alors on va couper le dessus. Tu coupes toi? Non. C'est moi? Oui. J'ai peur de me couper un doigt. On va couper un peu dessous. Et j'ai peur que tu vas pas encore te couper. Ouh, c'est un chaud. Doigt. C'est chaud. Parce qu'avec la trancheuse, elle s'est coupée un doigt. Avec la trancheuse à viande, pas la tronçonneuse. Donc voilà, donc là-dessous, on a coupé un tout petit bout pour qu'elle tienne debout. Parce qu'il va falloir qu'elle tienne debout. Bah oui, Et ensuite, on va couper un peu du dessus. Voilà. Et maintenant, on va creuser. Et maintenant, on va creuser avec une petite cuillère. Donc là, on a une cuillère petite, très longue. Je sais le faire. Vous voyez, ça, c'est le dessus. Et ça, c'est le dessous. On a coupé vraiment un tout petit bout dessous. Et on va enlever ça à l'intérieur?
Ouais, alors, il va falloir... Attends, Manu, je vais te faire déjà la forme. C'est l'onde. Voilà. Alors, n'hésitez pas à vous aider avec un couteau. Voilà. Oh, il y a du jus. Voilà, on va planter. Vas-y. Vas-y. Et là, on va la creuser. Vas-y, tourne, 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 tourne. Voilà, donc là, il va falloir faire... Wow. Donc voilà, donc on fait ça jusqu'au fond de la pomme de terre parce qu'après, on va mettre quoi dedans? Des fromages. Des fromages à raclette. Bon, je te laisse faire. Hop, ça c'est grand. Attention de pas te brûler, hein. En fait, attention de pas brûler, hein. C'est très chaud. Maintenant, ça a fait... C'est même pas chaud pour moi. Ah ouais, ça y est, t'as fait des trous dans les pommes de terre? Fais voir un peu à quoi ça ressemble. Oui. Waouh, voilà. C'est très chaud. On a creusé les pommes de terre et voici ce que ça donne. Voilà, elles sont bien creusées. Donc maintenant, Sam, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais mettre le lard autour. Alors, comment tu fais? Tu me montres un peu? Alors, je vais prendre une pâte. Ça sent trop au jambon cru. C'est vrai, hein? Regarde, on peut pousser ça, comme ça prend un peu plus de place. Hop. Et tu vas mettre autour, c'est ça? Oui, je prends une tranche. Une tranche et après une autre tranche. Ah vas-y, bon, on se regarde tout bien. Non, trop bien. Il s'est décollé. Hop. Vas-y. Hop. Voilà. Et là, il manque un bout, là. Bah oui. Bah, qu'est-ce qu'on fait? Il faut la mettre comme ça. Il faut combien, alors? Il faut une deuxième tranche, alors? Une seule. Une seule encore? Ok. Et tu fais ça à toutes les pommes de terre? Oui. Oui? Allez, bon. Deux T'es tranches. T'es trop forte, toi. Il faut... Deux tranches par pomme de terre? Oui. Ok. C'est noté. Une pomme de terre. Ça a l'air déjà trop bon. Alors les petits amis, mettez un pouce bleu pour Océane parce qu'elle se débrouille vraiment comme un chef. Waouh, elle est trop belle ta pomme de terre. Maintenant on va mettre le fromage. On va mettre le fromage? Quatre. Il en faut deux tranches. Deux tranches. Ok, qu'on a coupé un petit morceau, c'est ça? Oui. Ok, alors vas-y. Bravo! En rectangle, on a coupé. Oh, wow! En rectangle, on a coupé. En rectangle. Ok. Donc, deux tranches par pomme de terre. Oui. C'est pas grave s'ils sont cassés, hein, bah non. Non, c'est pas trop grave. Vas-y, on rentre dedans. On essaye de les rentrer, hein, les deux tranches. Hein. Peut-être que ça va pas tout rentrer. Ça dépend de la grosseur de vos pommes de terre. Autant, si elles sont très grosses, vos pommes de terre, vous en aurez besoin de plus. Voilà, bon c'est trop beau. On va la remettre. Tu remets dans le plat? Et après on va la faire cuire. Et après on va faire les autres, et puis après on mettra à cuire. Bon, alors on va faire les autres. Ça y est, t'as terminé? Fais-moi voir à quoi ça ressemble un peu. Waouh. Il faut pas les faire tomber, hein. Ouh, faut pas les faire tomber. Voilà. Ah bah voilà. Ah bah y a papa qui vient voir, il est gourmand papa. On a gardé la plus grosse pour qui? Pour papa. Pour papa. Alors maintenant qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Je vais mettre les fours à 180. Non. Alors, à 210 degrés dans un four préchauffé à 210 degrés pendant 30 minutes. Ah, par contre, ne faites pas ça tout seul, les enfants. Eh oui. Alors, ça y est, t'as terminé, ma chérie? Ouais. Ouais, alors fais voir un peu à quoi ça ressemble. Ouais, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça, ok. Alors ça ressemble à quoi? Des petits nids, on dirait des petits nids d'oiseaux, c'est rigolo. Alors regardez les amis, j'essaye de pas faire tomber le plat, ce serait dommage. Alors avec quoi on a mangé ça, Océane? On a mangé avec de la salade et de la vinaigrette. De la salade verte et vinaigrette. Donc nous on va passer à table. Et puis dites-nous dans les commentaires si vous connaissez cette recette de raclette revisitée. Dites-nous aussi si vous allez la faire. Envoyez-nous vos photos sur... Internet. Sur comment s'appelle déjà cette nouvelle application là qu'on a là? Sur Internet.
sur internet, ouais, vous pouvez nous l'envoyer par Facebook, vous pouvez nous l'envoyer aussi sur Snapchat. Et internet. Voilà, parce que bon, ce sera Kid Studio Test, tout simplement sur Snapchat, c'est tout nouveau, on vient de l'avoir. J'ai un petit trou de mémoire. Alors, n'oubliez surtout pas de mettre un petit pouce bleu. Et puis, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et en attendant la prochaine vidéo, on vous fait des gros bisous. Ciao, ciao les amis. Ciao, ciao.